Nous ouvrons cette actualité par cette information. Inondation à Kindia, des corps déterrés par les torrents dans un cimetière. C'est un fait inédit qui s'est produit dans la ville des Agrumes hier à Kindia. La forte pluie qui s'est abattue dans la journée a causé des dégâts d'une ampleur inédite selon africaguinée.com. Les eaux de ruissellement de cette pluie ont déterré des corps dans le cimetière d'abattoir 1 dans la commune urbaine de Kindia. Au moins 3 corps ont été déterrés par les torrents d'eau suite à cette forte précipitation. Les riverains du cimetière se sont rendus compte des dégâts après l'arrêt des averses. Au tram à Kindia, la collision entre un camion et une voiture fait 4 morts et 2 blessés graves. Oui, dans l'après-midi d'hier, aux environs de 16h, qu'un camion, remorque et une voiture sont entrés violemment en collision. C'était au quartier Tapioca, dans la commune urbaine. Un accident qui a entraîné la mort de 4 personnes, dont 2 femmes, un homme et un bébé, et 2 blessés graves, selon nos confrères de Guinée News. Ces derniers, actuellement sous soins intensifs à l'hôpital régional, Siret, dans un état très critique, nous a précisé notre ami de Guinée News, Moussa Camara.